caractéristique de la race de chien esquimo-américain. L'esqui est construit selon les lignes classiques du Spitz nordique. Cette race est de construction compacte, légèrement plus longue que haute. La double couche de séparation résiste au trempage et offre une isolation contre le froid. Les petites oreilles épaisses sont également résistantes au froid et le trot est agile et audacieux. L'expression est vive et alerte. Histoire de la race de chien esquimo-américain. En tant que Spitz prototypique, l'esqui, comme cette race est souvent appelée, est tout aussi souvent simplement appelé Spitz par les ménages d'animaux de compagnie. En fait, le chien esquimo-américain descendait de l'une des variétés de Spitz développées en Allemagne, avec des influences d'autres races de Spitz telles que le Kaiser, le Pomeranian et le Volpino Italiano. Ironiquement, c'est le succès de ces autres races qui a retenu l'esqui. Bien que le Kaiser soit à l'origine disponible en plusieurs couleurs, lorsqu'il a été décidé de n'accepter que des spécimens gris, les Kaisers d'Inde blancs ont été soudainement exclus. Lorsque la norme poméranienne a été établie pour exclure les chiens de plus de 8 livres, les chiens plus gros ont été exclus en tant que poméraniens. Ainsi, au début des années 1900, il y avait deux groupes de chiens blancs de taille moyenne qui, bien que de race pure, étaient exclus de leur race. Leur sort est inconnu. Lorsque les travailleurs européens sont venus en Amérique, ils ont amené ces chiens avec eux en tant que travailleurs agricoles généraux et chiens de garde. L'UKC a commencé à les enregistrer en 1913. Dans les années 1920, le Spitz américain, comme on l'appelait désormais, est devenu un favori des artistes de cirque. Les spectateurs quittaient souvent le cirque avec un nouveau membre de la famille, une progéniture de l'un des artistes éblouissants. De nombreuses esquisses actuelles remontent à leurs ancêtres du cirque. Après la Première Guerre mondiale, le nom de la race a été changé en Esquimaux américains, pour supprimer tout son germanique du nom. La plupart des esquis étaient gardés comme animaux de compagnie et chiens de ferme. Ce n'est qu'en 1994 que la KC a reconnu la race. L'esqui reste un chien du peuple et un compagnon très populaire. Tempérament de la race de chien esquimo-américain. L'esquimo-américain est brillant, désireux de plaire, vif et aimant s'amuser, bref, un compagnon agréable et généralement obéissant. Fidèle à l'héritage Spitz de ce chien, l'esqui est indépendant et tenace et adore courir, surtout par temps froid. Ils font partie des races de Spitz les plus attrayantes et sont calmes et bien élevés à l'intérieur. En raison de leurs origines de chiens de garde, les esquis peuvent se méfier des étrangers et peuvent ne pas être le meilleur choix pour les maisons avec de jeunes enfants, d'autres chiens ou des animaux domestiques à moins d'être bien surveillés. Entretien de la race de chien esquimo-américain. L'esqui est énergique et a besoin d'un bon entraînement tous les jours. L'ampleur de l'entraînement dépend de la taille du chien, les plus grands esquis ayant besoin d'un bon jogging ou d'une longue marche et les plus petits esquis n'ayant besoin que d'un jeu vigoureux dans la cour ou d'une courte promenade. Les esquis aiment le temps frais. La double couche doit être brossée et peignée deux fois par semaine, plus souvent lors de l'excrétion. Santé de la race de chien esquimo-américain. Préoccupation majeure, aucune. Préoccupation mineure, CHD, PRA, luxation rotulienne. Occasionnellement vu, diabète. Test suggéré, hanche, œil, genou, ADN pour PRA. Durée de vie, 12 à 14 ans. Avertissement concernant la race de chien esquimo-américain. Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.